Bon après-midi, grade 8. Aujourd'hui, c'est le lundi, le 2 10e novembre 2020. Aujourd'hui, on va compléter module 6, leçon 1, grammaire et communication, page 75. Donc, s'il vous plaît, ouvrez vos livres, page 75. Retrouve ce que disent Oscar et ses amis. Go to the text, page 74. Page 74. Iman accepte l'invitation. Quand Iman accepte l'invitation, il dit quoi? Iman dit quoi? C'est droite. Moi, je viens. You are avec ton roi. Taïeb? I don't have invitation for me. B. Xavier, pour refuser l'invitation, il dit, je ne viens. Tamam. Oscar, pour propose l'invitation, to propose invitation. Vous venez, d'accord? Ces verbes venir, ces verbes, verbe venir, c'est-à-dire venir, venir, tout, come, not attend. Venir means come, come, allez, ou le go. Ok, il y a exercice 4, exercice 5. Le verbe venir. Le verbe venir. Je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent et elles viennent. D'accord? Il va tenir le verbe venir. Il y a un verbe venir. Je viens, tu viens. Allez, Hanin. Je viens. Here, exercise 5. Écoute et répète. Nous venons. Viennent. Viennent. Le NT verbal ne prononce jamais. D'accord? Oscar, Silise, je viens samedi. C'est super. J'adore les fêtes. Le numéro 1, c'est Lise. Lise, c'est droite. Listen again. Oscar, Silise, je viens samedi. C'est super, j'adore les fêtes. Ah, je viens samedi. Lise, c'est je viens samedi. Ah, t'as bien. Numéro B. Salut, c'est Samuel. Désolé, par samedi. Moi, je ne viens pas. Wait. Numéro B. Thing. Salut, c'est Samuel. Désolé, bon samedi. Moi, je ne viens pas. Mais Louek, elle vient et elle apporte deux poissons. Numéro P. You have two sentences. OK? Salut, c'est Samuel. Désolé pour samedi. Moi, je ne viens pas. Mais Louek, il vient. Il apporte du poisson. Numéro B avec. Trois et. Cinq.
Pardon, 3, 3 et 5. 3 et 5. You listen to him. Again, listen. He said what? Salut, c'est Samuel. Désolé pour samedi, moi je ne viens pas. Sorry for Saturday, I won't come. OK? For whom? Samuel. He continued, mais Luke, il vient. Mais Luke, il vient. OK? Le numéro C. Oscar, Célia, pour la fête samedi, on vient tous les deux, Lise et moi, à samedi. De nouveau, listen again. Oscar, Célia, pour la fête samedi, on vient tous les deux, Lise et moi, à samedi. Quatre. On vient tout le monde. All of us will come. Right. The last one. Alice, c'est Oscar. Tu viens à ma fête samedi? Alice, c'est Oscar. Tu viens à ma fête samedi? Deux. D'accord. Communication. Ben, c'est verbe venir. C'est verbe venir. Je viens, I come, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent ou elles viennent. D'accord? Complétez avec l'air. Communication, notre partie de communication aujourd'hui, c'est sur l'air. Relie l'audio. On retrouve quelle heure il est pour Oscar et ses copains. Exercice. Sept. C'est 5h30. Ben, il est 16h moins Lucas. Pour demander l'heure. If you want to ask someone about the hour, what will you say? You can use one of these forms for asking about the hour. Okay? Il est. Je ne sais pas, c'est l'heure. How can you say this? You don't know what is the time? You want to say, I don't know. Yes. Okay, you don't know what is the time? You say, I don't know what is the time. You're Ok, d'accord. Ben, number one is to say, il est quelle heure? Il est quelle heure? Or, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure il est? Quelle heure il est? D'accord? Et ben, the importance is to put quelle heure together, quelle heure? And put it at the beginning or at the end. Il est quelle heure? Quelle heure est-il? Quelle heure il est? Et la langue. Courant, dans la langue courant, on utilise quelle heure est-il? Quelle heure est-il? D'accord? Quelle heure est-il? When someone asking you quelle heure est-il? You, if you want to ask about the time, okay, you say what? À quelle heure? At which hour? Or at which time? Okay, en accent. If you want to answer this question, how can you give this time? C'est à 5h30. C'est de 5h. 2 à 2. 2 means. Any 2. From. À. 2. 2. 2, 2, 2,
from 5 hours and a half to 9 hours and a half. Okay? And if you want to say, if I asked you, when you have a session, say, de 9 heures à 2 heures. D'accord? D'accord, madame. D'accord. Type, the last question, number 8. Phonétique, écoute les mots, puis prononce-le quand est-ce que tu trouves ouvre ou ferme. Ouvre ou ferme la bouche. Ouvre, Yanni. Opening. Yes, opening and closing your mouth. Look here. Quel. Ouvert ou fermé. Quel. Ouvre. Taille. R. 9. Neuf. Ouvre. Neuf. Au revoir, chérie. Bien, merci. Au revoir.